vous accueillir et poursuivre cette journée autour du sport. On est très très heureux pour débuter cet après-midi de recevoir Stéphane Konaté. Vous êtes l'un des meilleurs basketteurs ivoiriens de votre génération. Il y a eu des coups durs aussi dans votre carrière, Stéphane Konaté. C'est long, une carrière comme la 2015 où vous avez songé à tout arrêter. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Effectivement, bon, en 2015, j'étais en compétition internationale avec l'équipe nationale. On était au Bénin pour les éliminatoires Bénin Afro Basket. Et après le premier match de qualification, on m'annonce que je perds mon père. Donc mon père décède pendant que j'étais en pleine compétition. Et mon père était mon mentor, en fait. Mon mentor, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. C'est quelqu'un qui me donnait beaucoup de conseils. Malheureusement, on n'a pas aujourd'hui, on fait confiance normalement aux gens, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de fausses personnes de nos jours. Du coup, quand tu t'accroches à une personne à qui tu as confiance, une personne qui te remonte dans la vie sportive, qui a une vie très dure, avec beaucoup d'exigences, donc quand tu perds cette personne-là, pendant que tu es en compétition, c'est quelque chose qui m'a marqué. Effectivement, j'ai eu des envies, une envie d'arrêter de jouer au basket. Parce qu'au début, tu as un père qui te dit, on fait un compromis, tu joues au basket, mais derrière, il faut que tu aies des résultats, de bons résultats scolaires. Ça, c'est au tout début, quand vous vous êtes lancé dans le basket. Exactement. C'était pour lui, c'est le meilleur compromis. Exactement. Tu as de bonnes notes en classe, je te permets de jouer au basket. Tu n'as pas de bonnes notes, tu ne joueras pas au basket. Donc, j'ai grandi comme ça avec lui, avec ce genre de compromis, on va dire, avec ce genre de conseils. Et quand cette personne-là te quitte, pendant que tu pratiques le sport qui te donne des frissons, on va dire comme ça, c'est très difficile, surtout pendant une compétition. Donc, j'ai abandonné la compétition et je suis rentré d'urgence sur Abidjan. En plus, je suis l'aîné de la famille et on sait comment c'est ici, quand tu es l'aîné de la famille et que tu perds ton père. Tout est posé sur mes épaules, en fait. Okay.